would maybe help us a little bit. A one to go. Left side on the restart. Salut tout le monde, c'est VDK, bienvenue pour une vidéo sur e-racing, comme vous avez sûrement l'habitude. Voilà, je reviens un petit peu au micro, parce que j'ai le temps et l'occasion. C'est ma première course après le nouvel an, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et tout, que vous avez été gâtés. On repart du coup sur une nouvelle année sur e-racing. Donc je sais pas trop comment j'ai réussi à me qualifier quatrième en faisant un tour de merde. Donc alléluia, je dois pas être dans un split très élevé. En tout cas voilà, quoi, ça se passe bien pour l'instant. On verra ce que ça va donner par la suite de la course. On est à peu près les 10 premiers tous en tournant 2-20. Ouais, jusqu'au 6ème année. Mais ça risque d'être assez serré. Je pense pas que je vais beaucoup parler pendant la course, donc on verra bien. C'est pareil, j'en profite pour faire souhaiter une bonne année à tous les poteaux de la Team Air. Et j'ai hâte de recommencer pardon, la saison d'endurance. On a eu le planning ce matin, je crois même. En plus avec l'arrivée de Porsche, l'année commence bien. Donc j'ai hâte de tester cette petite Porsche GT3 Cup qui risque à mon avis d'être bien sympathique. Je pense qu'on va pas trop tarder à prendre le départ. Donc je vous souhaite une bonne course, un bon visionnage et puis en espérant que je fasse pas trop de merde. A bientôt. Good luck guys, take it easy on the first lap. Good luck everybody. That thing fills up again. Get ready to rock and roll, man. Eighth car's down. Be ready. Go ahead, play funny buggers. You wait till the tour. Yeah, I tried to let you through, but you had to try and be clever about it. Putain, la petite surprise avec la Z4 là, j'entendais bien le moteur, mais je pensais que c'était celle de derrière. Heureusement que j'ai regardé. Thank you.
putain de virage. Je vais couper le chat parce que ça me saoule ça. Pour l'instant, je suis bien dans le rythme des premiers. On va essayer de coller au cul et de voir ce qu'on peut faire. Par contre, au bout d'un tour, déjà deux incidents. Ça va être un safe rating killer, je crois, cette course. Faut que j'essaye de faire attention à mes incidents parce que là ça commence à grimper en flèche. Au bout de deux tours, je suis déjà à 3. Il faudrait pas que ça continue sur ce rythme parce que sinon je vais pas voir la fin de la course. Je suis en train de baisser de rythme, c'est pas bon. Je fais plein de petites erreurs. Faut dire que je suis pas mal fatigué. J'essaie de me reconcentrer un peu. Putain, j'ai encore frisé la correctionnelle. C'est en train de revenir. On a un petit matelas sur le sixième, mais bon. 21,
Faudrait pas que je commence à m'endormir. Faut absolument que je vise les voitures de devant et pas celles de derrière. Ça s'est passablement échappé devant. Faut que j'arrive à au moins récupérer la MG. Je sais qu'au niveau des chronos, il était pas en qualif, il était pas si exceptionnel que ça par rapport à moi. Contrairement à la GT40 qui est le seul mec à être descendu sous les 2,20. Ben, I don't want to bomb him, man. I just want to see it catch him. Surtout pas prendre de pénalité à la sortie du rayon parce que là putain ça serait radical. Là, je vous avoue que dans l'état de fatigue dans lequel je suis, un petit top 5 ça m'irait très bien. Bon après si je peux essayer d'accrocher un podium, je vais pas me priver. J'arrive pour l'instant à maîtriser le quatrième. Devant à moins d'une erreur, je pense que ça va être compliqué d'aller les chercher.
Ça commence à bien revenir derrière. En tout cas, je me sens vraiment bien à l'aise avec cette petite AMG GT3. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Putain, je suis à 5 tours d'essence. Donc je me sens bien, putain, je me sens bien à l'aise dans cette petite AMG. Putain, je fais de la merde. Même si ma favorite ça reste la McLaren. L'AMG convient plutôt bien à mon style de conduite. Ah putain, je fais vraiment de la merde. Je vais essayer de me concentrer un peu les copains. Je vais moins parler et essayer de tenir le mec derrière. La faute du deuxième, c'était un peu inespéré, mais je prends. S'il pouvait avoir touché, ça m'arrange.
Ça a pas l'air d'être le cas parce qu'il a l'air d'être dans le rythme. En tout cas, on commence à être un petit train de 4 voitures là. Je suis dans la position du chassé, ce qui est pas forcément ma position favorite. Les mecs, ils vont comme défendre Joe là. Je suis en bonne position là. Oh oui, il y a eu crash derrière. Why would you try and go inside on that corner? It's just a fair fight, man. And you can't did and you can't happen that you are sliding off over there, so it's just an accident, man. I didn't hit you, I give you the space, so it's your own fault. Contact came up for me, champ. We both drive our buddy idiot. I didn't even fight with you because I knew I was going to get the proper price. Go ahead and bring her on a pit at this time. Whew, bon. Ça allège un peu. I said it was obvious it was going to happen. On est un peu plus de la moitié de la course. Je vais encore faire un tour et après je vais rentrer au stand. Bon, par contre, j'espère qu'ils vont juste la fermer. Watch replay, Elliot. Then you see he got enough of space and there was room to get through the corner with. Can I have time to watch you now to my car, fuck? To blame someone, just watch replay, man. Bon, eh ben, pour l'instant, ça se passe bien. On va voir ce que ça va donner après le ravitaillement. 40 litres, ça devrait suffire. Pas de changement de pneus. Toutes les courses de merde que j'ai pu avoir, une petite deuxième place ça serait pas mal, mais bon, la course est encore longue. Par sécurité, j'ai peut-être rajouté un peu.
Sait-on jamais. Il ferait chier de louper un podium pour une tonne d'essence. On va faire se taper toute la voie des stands. Ça va être long. La bonne nouvelle, c'est que derrière, ça rentre. Qu'est-ce qui est tendu ce virage aussi? Putain, c'est trop facile d'aller taper le mur. Est-ce qu'il est mon cette man? Allez, 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 allez. J'espère qu'il va pas me gêner. Normalement, le troisième, c'est celui qui avait ravitaillé avant. À moins que ça soit Elliot, je crois qu'il s'appelait. Ouais, je sais plus. Bon, en tout cas, ça s'est bien serré. Il n'y a plus qu'à gérer maintenant. Devant avec sa GT40, de toute manière il est intouchable, il a eu quasiment 16 secondes. La trouille ce virage, putain. Si on veut vraiment le passer vite, il faut vraiment la trouille. Petite glissade dans l'entrée de virage et en sortie. Ça fait toujours plaisir.
C'est pareil, je vous ai pas dit, j'ai un... enfin pour ceux de la team R, ils le savent. Mais pour ceux qui sont juste abonnés à ma vidéo, enfin à mes vidéos, vous êtes peut-être pas au courant, enfin vous êtes même pas au courant. J'ai un nouveau pédalier. J'ai eu par Papa Noël le T3 PA Pro pour remplacer le pédalier de base du T300 qui est tout simplement une grosse merde. Donc là j'ai des vraies pédales dont une superbe pédale de frein, mais c'est sûr que c'est pas vraiment la même chose, du coup faut que je m'y habitue un peu. Du coup sur les freinages j'y vais sûrement un petit peu fort, mais bon faut mieux trop freiner que passer. J'ai totalement merdé mon passage de Rédillon, l'autre il va en profiter à mort. On va flashouiller un peu le mec devant. Ah putain, il est en train de remonter sur moi pleine balle. Je pense qu'il en demandait pas tant, Stéphane H. Je continue mes conneries. Allez, on va repasser en mode concentration. J'espère que lui va gentiment se pousser à un endroit qui craint pas trop. Ouais, visiblement l'autre il l'a gêné. C'est bon pour moi, j'ai repris une seconde 7 d'avance. Permet de souffler un peu, il reste 7 minutes. Allez, on, ça va le faire.
longtemps que j'avais pas pris un incident. Je crois que ça serait bien que je m'arrête là, que je m'y... C'est surtout sur les gros freinages appuyés où j'ai du mal avec ma nouvelle pédale de frein. J'appuie sans doute un peu trop. En tout cas, il est bien revenu derrière, il est en mode attaque, ça c'est sûr. Et moi, depuis tout à l'heure, je suis en mode je fais de la merde. Comme là, par exemple. J'ai l'impression qu'il est en train de prendre pas mal de pénalités, par contre, parce que... Ça fait quelques fois que je regarde dans le rétro où il est loin au niveau des trajectoires. Ouais, bah moi aussi, hein. Sans doute en train de payer aussi un peu mon manque d'entraînement, j'ai pas fait beaucoup de tours d'entraînement. Pour l'instant ça tient. Quoi qu'il arrive, le quatrième est assez loin. Et si je peux garder la deuxième place, je prends. Je suis clairement pas assez constant dans mes tours. Thank you, Luca. Putain, j'ai de la merde. Voilà, c'est cadeau, c'est offert. Oh, il a eu un problème le premier. Est-ce que ça a tapé ou... Est-ce qu'il s'amuse juste à nous motiver à revenir pour la fin ? On va arriver dans le dernier tour en plus. Wow.
get him, man. We're gonna be pinning you here in about 5. Je pense qu'il a essayé de gérer pour pas avoir un tour de plus. Oui, derrière il a glissé. Je pense que devant, il est en train de gérer, il doit être un peu court en essence. Moi j'en ai trop. Putain, pour une fois je le prends bien. Il a grave de la perte de vitesse dans les lignes droites avec sa GT40. Il y en a un qui a bien envie de venir me croquer. Ça va être tendu la fin, ça va être tendu. Ah merde, putain la glissade de merde. Ah. Oh no way, Thomas. I'm gonna check it this time. Ah putain. Good job, my man. Awesome job today, fellas. Ouais, ça va, mine de rien, j'ai fait quand même une troisième place. C'était une course sympa. Tim, did I hit you as I plopped in again? Okay, good to know. Sorry about that. Putain, c'est une sacrée course, hein. Bon, eh ben 6 incidents, une troisième place, donc je pense que je vais prendre un peu. Je risque de perdre un peu de e-rating. Enfin de safe rating, pardon. Je devrais pas mal gagner en safe rating. En putain, je vais y arriver en e-rating. Il est temps que j'aille faire une sieste. Et je pense que quoi qu'il arrive, ça a été une course assez sympa. Ça a été plus de la gestion de ce qui se passait derrière que vraiment de l'attaque sur ceux de devant. Mais ouais, c'était sympa, c'était une belle petite course. J'ai bien pris mon pied, ça fait plaisir de faire un podium. Même si la deuxième place, c'est pas joué à grand chose. Mais bon, troisième, ça me va. Ça fait plaisir de,
Ça fait très très longtemps que j'avais pas fait un podium. J'ai fait régulièrement des top 10 voire top 5. Mais un podium, ça faisait très longtemps. Ça confirme mes impressions sur cette petite Mercedes. Ça fait bah, depuis qu'elle est sortie, hein, je la joue avec régulièrement. Mais je suis vraiment à l'aise avec. Je sais pas dans quel speed j'étais, je sais pas si je peux le voir d'ici. Mais en tout cas, voilà. 3e sur 25, ça suffit à mon bonheur. Et ouais, je sais pas. Je sais pas trop où est-ce que. Où est-ce qu'on en est au niveau du speed? Bah, j'essaierai de marquer ça dans les. Dans les com. Enfin, dans les infos. Donc, petite troisième place qui fait plaisir. J'étais en plus avec Dimitri Djukanovic, que j'ai en ami sur e-racing. Visiblement, il a eu une course peut-être un petit peu plus compliquée. Je sais pas quelle heure où il est. Oh, il a fini cinquième, ça va. Au final, pas tant que ça. Ah, c'est con que je fasse une. Putain, j'aurais dû repasser la 2 direct. C'est con que je fasse un. Que mes roues patinent en sortie parce que franchement, la deuxième place a été bonne, mais bon. C'est la course, c'est comme ça. Ben, une fois de plus, je vous remercie. J'espère que vous avez pris. Et, ben, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Et puis aussi, sûrement, sur DCS parce que, comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente que j'ai postée. Je me mets aussi à la campagne solo du Mirage 2000 sur DCS. Bon, en tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé. Encore une fois, bonne année. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!